Bonjour YouTube, septième épisode sur Icarus et il est temps. Il est enfin temps de passer à l'ère industrielle. J'ai passé le niveau 30 en faisant le chemin retour depuis mon expédition qui m'a mené au loin là-bas de l'épisode précédent. Donc je suis pas allé beaucoup plus loin, vous voyez, je suis juste rentré, j'ai vidé deux grottes complètes avec mon bison. La charrette du bison était pleine de minerais, pardon, 1300 kilos. Et comment vous dire que là, au niveau du fer, ça fond. Là, ah bah c'est tout prêt. Ici, j'ai un peu de cuivre et j'ai même du minerai de fer ici parce que je sais plus trop quoi en faire. Ici, j'ai une réserve avec de l'aluminium, du cuivre, du platine, du titane, de l'or en masse. Il y en a encore qui est en train de fondre, beaucoup de cuivre. On va ranger la pâte de carbone. Donc ça va me permettre de préparer la suite. Et ben après, le reste est quasiment tout fondu. Donc c'est nickel. On va pouvoir ranger tout ça. Voilà. Donc je suis passé niveau 30, mais je n'ai pas débloqué encore l'arbre technologique, le palier 4. Donc on va faire ça ensemble. Fabricateur, voilà qui est fait. Alors, j'ai 8 points à ma disposition. On va essayer de débloquer les choses de manière intelligente. J'ai accès au fusil de chasse. Il me faut du bois raffiné, du cuir traité, du lingot de titane, de l'époxy et des vis en acier. Tout ça c'est gérable. Ça peut être sympa. Il y a ça. Alors ça nécessite des matériaux composites, l'arc à poulies. Matériaux composites, je ne sais pas comment on les fait. Je ne sais pas s'il faut les faire dans une machine spéciale. On va regarder ça avant de le débloquer. Ici, on va commencer à se débloquer tout ce qui est outils électriques. Et ça va être impératif. Générateur à biocarburant, roue à eau. Et panneaux solaires. Donc on a trois éléments qui permettent de générer de l'électricité. Ça va me consommer du biocarburant, mais ça va fonctionner toute la journée. Panneaux solaires, j'imagine que ça ne fonctionne que quand il fait jour. Et peut-être même pendant les tempêtes, ça doit peut-être pas marcher. Je sais pas. Et je pense que roue à eau, ça doit fonctionner également tout le temps. Par contre, ça ne génère que 2000. Le panneau solaire, 5000. Et le générateur à biocarburant, 5000. Alors, je connais pas le. Je sais pas si ça va consommer beaucoup de biocarburant. On va le prendre. Je pense que c'est ça qu'il faut pour faire les matériaux composites. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah, cette tempête me casse les oreilles. Ça. Voyons voir. De quoi avons-nous besoin? Où est-il? Fabricateur, lingot d'aluminium, composants électroniques, fibres de carbone, donc j'ai bien fait de les préparer. Et il me manque 22 composants électroniques et du lingot d'aluminium. Bon, lingot d'aluminium, je vais les avoir. Voilà, ils sont là. Tac. Composants électroniques, qui va manquer de la résine organique, de l'époxy. Alors, époxy. Sève d'arbre. Alors je crois que j'en ai fait en bas. J'ai pris un peu d'avance normalement. Non, j'ai pris de la sève d'arbre. Eh bien on va faire de l'époxy, hein, c'est parti. Et je pense qu'il va falloir refaire du fil d'or, du fil de cuivre. Voilà. Alors on va y aller, hein. On va mettre la dose. Tac tac tac. Et résine organique. Alors résine organique, j'en ai un petit peu ici. J'en ai pas beaucoup. Il me faudrait de l'oxyde. Alors j'en ai peut-être fait en bas. Ah non, mais j'ai ce qu'il faut. L'oxyde est là. On va récupérer l'oxyde ici.
On va tout prendre. Hop. Toujours ce lag, hein. Incessant. Tac. Et on va tout faire. Voilà, on va faire la dose. Là, qu'est-ce qui est en train de cuire ? Plus rien. On a tout fini. Minerai de titane. Ok, il faut 5 minerais pour faire un lingot. Je vais pouvoir prendre tout ce qui est fibre de carbone. Pareil, on va tout poser là. Hop. Combien je peux en faire? 4. Ah, c'est l'époxy qui me manque. Ok. Tac. On va prendre celui qui est là. On va aller chercher ce qu'on a fabriqué en bas. Là, l'époxy, pardon. 100. Tac. Parti. Oh, stop, un sacré orage. C'est quoi qui? J'ai vu des chiffres défiler là, comme s'il y avait des dégâts. Ah, je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir, je vous montrerai ça après. Alors. Ok, 15. C'est bien déjà. C'est là encore la résine organique qui va me manquer. On va tout récupérer ici. Il fallait combien en tout? Il en fallait 30. J'en ai 23, il me manque 7. Hop, c'est parti. Ok, on peut le fabriquer. Et voilà, bon, du zinage. Alors, soit je le mets là, bon, est-ce que ça prend de la place? Ouais, un peu. Ou alors je le mets directement ici, dans, voilà, on va mettre dans cette pièce. Voilà, il faudra que je mette un petit peu d'éclairage. Alors, comment tu fonctionnes et qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu vas pouvoir me faire l'outil électrique. Donc, ça va me permettre de tirer des câbles. Des rallonges, tout simplement. L'avantage, c'est que c'est illimité. Donc, une fois que je l'ai fabriqué, je peux tirer autant de rallonges que je veux. J'ai pas besoin d'en refabriquer. Donc, ça coûte très cher à l'origine. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça, processeur de matériaux. Il va me falloir du lingot d'aluminium, des composants électroniques. Oh la vache, les composants électroniques, ça pique. Hein. 60. Titanium plate et fibre de carbone. Alors, titanium plate, il faut du coup que je le déverrouille. Elle est là. Ok. Je me ferai bien également tous les outils là en titane, histoire d'avoir vraiment les derniers niveaux les plus solides. Mais je veux pas aller trop vite. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais? La foreuse électrique, donc c'est pour exploiter les gisements souterrains que vous avez vus lors d'un épisode précédent. Mais au lieu d'alimenter en biocarburant, bah, du coup, c'est. On tire un câble jusqu'à cette machine et du coup ben, c'est alimenté par électricité. Donc ça peut être très très sympa. Et ça, extracteur électrique et foreuse électrique. Alors c'est quoi la différence? Ça c'est pour les gisements profonds. Extracteur, unité de minage portable alimentée. Ah, c'est pour les dépôts d'exotiques. D'accord. Alors ça, je n'ai pas trouvé. Alors, j'aurais peut-être besoin du radar. Ouais, on essaiera la version 2 du radar. Pas de composite. Ah bah, à tous les coups, j'aurai besoin de ça pour faire les matériaux composites. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, voilà. Les crocos, les ours. Alors, vous voyez, il se blesse. Alors, c'est tout simplement parce que j'ai mis tout le long, j'ai mis des barricades, des pics. Donc, du coup, bah, ils aiment pas trop. Alors, je vais les attirer par là. Voilà.
Et vous voyez, il se blesse tout seul. J'ai plus rien à faire. Ah, puis ça... Ça pique, hein. Il n'y a que l'ours, là, qui n'a pas l'air très... très motivé. Ah, mais il s'attaque... D'accord, il veut... Ah bah il a pris des flèches dans le cul. Bon. Maintenant qu'on est un peu tranquille. Comment il va lui? 74%, ça va. Il va se soigner. Je vous montre. Voilà. Ma base est défendue. Et vous voyez... croco, cerf, etc. Encore des crocos. Là, il y a des bisons. Ah, bah, ils se sont tués tout seuls. Bah, du coup, j'ai plus qu'à récupérer des trucs, en fait. Bon, je n'ai pas besoin pour le moment, mais bon, voilà. J'ai une base bien défendue. Et je sais pas si je peux en mettre sur la porte. Je pense pas. Donc, du coup, j'en ai pas mis. J'ai pas essayé, mais ça me semblerait bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai encore de l'époxy? Non. Allez, refais-moi de l'époxy. Hop. Ici. Alors, je vais pouvoir faire l'outil électrique, mais pour ça, il faut que je puisse générer de l'électricité. Alors, j'ai le choix. J'ai le choix, et c'est bien ça qui m'embête. Générateur à carburant. Ça, je peux le faire à l'intérieur. Ça fournit 5000. Je pense que ça peut être très bien. La roue à eau. Il faut que je fasse ça, ça fournit que 2000 d'électricité, mais il faut le faire dans un courant. Donc j'ai une petite rivière qui est là-bas, je pourrais peut-être la mettre là-bas, mais ça ne fournit que 2000. Par contre, ça fonctionne jour et nuit et il n'y a pas besoin de l'alimenter. Je crois qu'elle se salit, on va dire, et il faut aller vider un peu ce qu'il y a dedans, mais ça peut marcher correctement. Et pour le panneau solaire, il va me falloir les matériaux composites, donc... Ça, ça attendra un peu. Je pense qu'on va commencer par le générateur à biocarburant. Et on va voir ce que ça donne. Et il faut également donc, faire les câbles. Donc, pour les câbles, je vais récupérer fil d'or, fil de cuivre. Je ne vais pas en avoir assez du fil de cuivre. On va en refaire. Fil d'or, fil de cuivre. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Fibre de carbone. Ok, fibre de carbone. Et là, il vous faut également du fil de cuivre, du verre et des lingots d'acier. En acier, je dois en avoir. Titane. Alors, ça doit être en bas, peut-être. Il faut que je mange. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, je vais chercher les composants. L'acier, j'en ai pas là. J'en ai là. Ça, on va détruire. Alors, ça tue tous les animaux, par contre. Hein. Les bons comme les mauvais, on va dire. Les agressifs ou les pas agressifs. On a des fibres de carbone. Alors, je dois en avoir là de la fibre de carbone, ouais. On va retrier. Fil de cuivre. On va prendre tout le fil d'or. Ah, oh, bah, j'en avais là de l'acier. Ok, c'est pas grave. Acier. Du verre. Et peut-être des vis. On va refaire un paquet de vis. Voilà. Alors, acier. Vis. Ok, donc ça je peux le faire. Ok, j'ai les câbles. Très bien. Générateur, il va me manquer 12 composants électroniques. Eh ben c'est reparti. Ok, on va laisser travailler. Ici, on a bien tous les composants. Lingots d'acier, ici sont les composants électroniques. Là, fil de cuivre.
Fil de cuivre. Ah oui, j'en fais une consommation du fil de cuivre astronomique aussi. Tac. Il en manque 3, je pense. Ouais. Allez. On va laisser tout ça se fabriquer tranquillement. En attendant, maintenant que je vais avoir de l'électricité, qu'est-ce qu'il me faut absolument? Il me faut le tuyau d'eau et la pompe à eau. Ça va être indispensable. Ok. Aquarium, non. Extincteur, non. Composteur, non. Parcelle de culture hydroponique, il me faut des matériaux composites. Ça va être vraiment, vraiment indispensable, hein, ces matériaux composites. Donc on va faire la pâte composite, on va la prendre, on va anticiper. Du coup, est-ce que je me ferai pas une roue à eau? Au cas où. Au cas où ça soit trop gourmand. Ouais, on va la faire. Voilà. Ça sera fait au moins au niveau génération d'électricité. On sera tranquille. Alors, on en est où ici? Ok, chez les 20 composants, je vais récupérer du fil de cuivre. Voilà. Allez, générateur, allez, fabriquer. Impeccable. Nickel. Ah bah super. Allez. Voyons ça. On va le mettre là, je pense. Ouf. Ah oui, c'est balèze le bal. C'est balèze. Ok. Après, là, en même temps, il sera dans un... Je vais pas dire un petit coin, mais il va être bien. Ok. Inventaire des systèmes. Bon, évidemment, il faut du biocarburant. Est-ce qu'elle a besoin d'électricité? Ou est-ce qu'elle a un bonus avec de l'électricité? A priori, non. Pas vraiment. Ça n'a pas l'air. Banc d'usinage. Non. Ce qui va nécessiter de l'électricité en priorité, c'est la pompe à eau. Ok, il me manque... Ah, j'ai assez de composants électroniques, c'est bien. Mélange de béton, je vais les avoir par là. Et un peu d'acier. Alors, un peu d'acier, mélange de béton. Nickel. Allez, pompe à eau. Il me faut le tuyau d'eau. Ok, il va me manquer du fil d'or. Tac. Et les tuyaux. Ok, nickel. Pompe à eau et tuyau d'eau. Alors, on va commencer par alimenter ça. Est-ce que ce serait une réserve de... Une réserve de bidon et il taperait dedans automatiquement, ce serait bien. Ok, ça fait un petit peu de bruit, mais ça va. Ça va, ça a l'air de gérer. Pompe à eau, je la mets très bien là-bas. Enfin, je tire un fil électrique, je pense. Alors, 0. Comment ça marche? Ok. Est-ce qu'on peut mettre ça dehors? Est-ce qu'on peut le faire passer à travers les murs ou... Ok, on va descendre.
Yes, ok. On va le faire descendre ici. Ok, on va sortir. Ok, pompe à eau. Nickel. On va... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment j'annule ? Ok. Ça requiert 1000 d'électricité. Donc ça c'est bon. Et ça donne 1000 d'eau. Ok. Du coup, on va passer à la connectique en eau. Donc on va repasser. Oh là! Tu restes dehors, tu restes dehors, tu restes dehors. Tac, tac, tac. Et tac, ok. On va laisser s'occuper du nounours avant qu'il me pète ma... Oui, non, tu n'y arriveras pas. Ok. Alors, ma connectique en eau. Ok. Pourquoi tu pars à perpète? Voilà. On peut le connecter ça? Non. Et ça... Non plus. Ok. Donc ça doit être bon. Et lui du coup... Ok, il a de l'eau. Ah ben du coup maintenant je peux faire du pain. Super. Et je peux faire des gâteaux. Il faut de la farine et de la levure. Alors ça je dois en avoir quelque part. Ah, j'ai faim. Ok. Où est-ce que j'avais mis la farine? Là-dedans peut-être? Non. Peut-être là-dedans. Alors j'ai de la levure. J'ai du sel. Non, c'est là-dedans que je vais mettre. Ah, je les ai pas pris. Je les ai pas pris. J'ai fait de la farine, du sel, de la graisse. Alors déjà avec de la graisse, il manque toujours la farine. Là-dedans, non, non. Peut-être là-haut. Farine, ok. Alors, oh, super. Pâte à pain, pâtisserie. On va se faire sur les 6. Pâte à pain. On va faire les 14. Maintenant que j'ai un frigo. Alors ça consomme très très peu de glace. Vous voyez, il y en a encore pour 3h46. Alors, il va falloir que je vienne chercher un moment ou un autre. Je vous avoue que je sais pas trop. J'imagine qu'évidemment c'est dans le biome de glace, hein. Ça n'y a pas à batailler, mais bon. Pâtisserie, une pâte prisée, simple mais satisfaisante.
D'accord. Et du coup, ça se mange, ça? Scindé en deux, lâché. Ok. Ok, pâte à pain, il faut le mettre dans le feu. Ça, jusque-là, ça paraît logique. On va faire cuire le pain. Un plat. Ok, tu fais cuire? Ah, non. Ça, je voulais faire. Il suffit de l'ajouter à un feu. Ok, donc ça doit être un plat. Ah, ben, pas la cheminée, a priori. On va faire que du pain plat, pâte à pain plat. Et ça, c'est pâte à pain. Ok, donc j'ai pas le bon four. C'est fâcheux. J'imagine que ça va être pareil avec le feu de camp. Va vérifier ça. Pain plat. Ok, donc effectivement, c'est pareil. Donc il faut une vraie cuisinière en fait, c'est ça le truc. Ok, il faut une vraie cuisinière. Donc c'est pas grave. Ça fait du bruit quand même ce générateur en fait, hein. Ça fait quand même du bruit. On va aller voir la consommation. Bah ça va. Fuel time 4 heures. Parce que si j'enlève ça. Ouais, c'est 4 heures par bidon. Bon, bah ça va, c'est largement jouable. Je vais peut-être me refaire 2-3 bidons quand même. Faut juste du fer. Ok, 4 bidons, c'est bien. Tac, tac. Et j'ai passé un niveau, super. Ah ben voilà, je vais pouvoir me débloquer encore d'autres trucs. Du coup, on a dit faire à manger. Faire à manger, bande chimie. Bande menuiserie. Bande cuisine. Ah, il me faut du matériau composite. On va commencer par ça alors, processeur de matériaux. On va d'abord voir comment on fait le matériau composite et après on se lancera dans la fabrication peut-être du banc de cuisine. Alors, voilà, de l'aluminium, de la plaque de titane. Ok. Donc ça va être là-bas du coup. Alors j'ai de plus en plus d'ateliers et de bancs de construction. Donc on fait quoi toi? 8. Vas-y, on fait 8. Et je me ferais bien quand même les quelques outils en titane. Au moins la pioche. Et au moins le couteau. 8 lingots de titane, ok. Et là, 40 lingots de titane pour le fusil. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. L'arc va coûter moins cher. On va faire au moins le couteau. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une hache sympa aussi. On va prendre le couteau et on verra pour la suite. On va pas être trop gourmand. Faut vraiment que je mette de la lumière là. Alors, ok, titanium plate, c'est bon. 60 composants, 30 lingots d'aluminium. Ça, aluminium, c'est pas un problème. Tac, tac, tac.
ok. Eh bien écoutez, je vais m'occuper des composants électroniques et on se retrouve dès que ce petit appareil est construit. Ok, je me suis fait le couteau. Ah bah oui, voilà. Ça ressemble à un vrai couteau quand même. Ok, déjà une bonne chose de faite. Alors. Tac. Tac, tac. 28. C'est encore le fil de cuivre qui manque, c'est une folie. C'est de la folie, ok. Faut tout prendre. Heureusement que le cuivre on en trouve facilement. Alors, fil d'or, ça devrait aller à peu près. Époxy, ça devrait aller à peu près. Résine aussi. Ok. Donc, c'est vraiment fil de cuivre qui va me manquer. Alors, en attendant, il y a ça que je peux alimenter en eau. Donc, on va en eau ou en électricité? En eau. Ok, donc on va l'alimenter. Tac, tac. Bam. Ok. Voyons. On va mettre les bidons. Ah oui, d'accord, ça va beaucoup plus vite en fait. Ça va beaucoup plus vite. Il va falloir que je mette du bois dedans, je pense. Je pense que c'est le plus simple, hein, c'est mettre du bois. Parce qu'avec le reste, on s'embête un peu. Est-ce que j'en ai par là qui traîne? Non. Ok, j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer le processeur de matériaux, donc c'est parti, le voici. Oh, c'est tout petit. Mettre ça là dans le coin. Ok, il faut de l'électricité évidemment. Ok, 2500, ça pique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, ben en fait, c'est un... Ok. Pâte composite, minerai de fer, minerai de silice, résine organique, minerai de platine. Ah, j'ai tout fondu en minerai de platine, c'est con. C'est con, c'est con. D'accord. En fait, c'est un... comment on appelle ça? Un petit bol, là. Le mortier, voilà. C'est un mortier, mais mécanique. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut tout faire dedans en fait. Tac, 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 tac. Mettre des os. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, niveau vitesse, c'est pas pareil. Ah, pas pareil du tout. Ok, donc j'imagine qu'il faut de la pâte composite. Ah, on peut faire avec du minerai d'or. Ou du minerai de platine. Ok. Il y a deux recettes, ok. Et j'imagine que ça, ça va au four. Eh ben, pas dans celui-là. Pas dans ce four-là, en tout cas. La pâte à carbone, on l'a fait cuire. Donc j'imagine que la pâte composite, il va falloir la faire cuire. Ben là-dedans, dans le fourneau électrique. Ouais, c'est reparti. 60 composants électroniques. 2500 d'énergie. Ça veut dire que juste avec les deux
processeur de matériaux plus fourneau électrique, j'ai déjà pas assez d'électricité. Sachant que j'ai la pompe à eau aussi qui tourne. Bon, ben pour le composite, je vais pas avoir le choix. Il me reste 2 points. J'ai pris le couteau. J'ai fait le couteau. On va faire la pioche. Et on va faire la hache. Allez, faisons ça. Au moins, je serai équipé pour aller rechercher du titane. Est-ce que je peux les fabriquer? Oui, je vais faire la pioche. Nickel. Et la hache, il me manque du titane. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Ah bah dis donc, ça consomme. Ça consomme. Hein. Ok, j'ai la hache. Alors, on va attendre la fin de l'orage et on va aller tester ça. Alors déjà ça, c'est très très joli visuellement. Le couteau. Ok. Je me serais peut-être bien débloqué l'arc. Bon, c'est pas grave, on fera ça au prochain niveau. Là, j'ai tout fabriqué. Ah oui, je vais peut-être me faire une roue à eau. On va faire ça, une roue à eau. Pierre, résine, bois et 10 composants électroniques. Alors, composants électroniques, qu'est-ce qu'il m'en reste là? Ok, je peux en faire 10. Résine. Il va falloir du bois. Alors, je peux peut-être en récupérer là-dedans. Ouais, hop. Alors, voyons, ouais, parce que j'ai tout. Il me manque de la pierre et des clous en cuivre. Alors, de la pierre. Là-dedans, et des clous en cuivre. Là-dedans, ok. Et là, ok, on est bon. Je peux en faire une. Ok, ça me générait 2000. Alors, on est toujours en mode orage. Bon, c'est que du vent, donc c'est pas trop grave. Alors. Là, il y a une rivière. Est-ce que ça suffirait? On va essayer. Ah oui, 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 ça a l'air d'aller. Ah ben voilà, impeccable. Produit 2000, super. On va la brancher. C'est un peu chiant à tirer, à chaque fois il faut que je clique. J'aurais pu faire un truc un peu plus automatisé. On va la brancher dehors. Voilà, on est branché au réseau. Donc normalement, j'ai 7000 d'électricité à disposition. Donc je vais pouvoir faire le four. Et pour le four, on rebelote 60 composants électroniques du mélange à béton. Bon, bah écoutez, c'est parti. On se retrouve un peu plus tard, changement de stratégie, je suis en manque de cuivre, donc
je me suis éloigné, je suis allé chercher une mine pour trouver du cuivre. Avant ça, je suis allé récupérer la foreuse mobile qui était là, alimentée au biocarburant, qui récupérait du fer. Du fer, j'en ai beaucoup trop, donc elle ne me sert à rien. Et la chance que j'ai, c'est que dans cette grotte, effectivement, il y a un filon de cuivre. Donc ça va beaucoup m'arranger. Alors, ça va pas vite. Mais bon, en même temps, ça prend 1h52 pour tout vider. Donc ouais, à peu près 2h. Ok, c'est à peu près ça. J'ai mis à peu près 10 minutes, je pense, pour vider toute la grotte. Donc, on sait qu'il faudra revenir dans 2 heures pour récupérer du cuivre, même si j'en ai déjà récupéré un peu dans la grotte. Voilà, il y en a là. Donc, je vais pouvoir les fondre tout ça. Je récupère évidemment le fer et tout pour me faire un maximum d'expérience. Je suis passé au niveau 32. Et, écoutez, de là, je vais repartir tranquillement à la maison. Avec Aristote, on va fondre le cuivre, on va essayer de finir ça, mais je pense qu'au niveau stratégique, je vais faire ça. Le scanner de gisements profonds, qui coûte pas très cher, et avec un peu de chance, je trouverai des gisements profonds un peu plus proches de ma base. Donc ça, ça va être impératif. Ça permet d'appeler la capsule de largage. Donc a priori, c'est la capsule que j'ai laissée... avec laquelle je suis arrivé. Alors, ça a l'air d'être un consommable. Une fois lancé, si elles ont un atterrissage. Mais ça permet, je pense, de charger la capsule avec des choses dedans et de pouvoir faire un genre de déménagement rapide. Donc, ça peut être très sympa. Il va me rester 2 points. Je vais faire très très attention à ce que je vais prendre. On va prendre la foreuse électrique. Si je trouve un gisement à côté de chez moi, je pourrai le brancher à l'électricité. Ce sera beaucoup plus efficace. Et celui-là, mais je tenterai bien ça quand même pour voir ce que c'est, ces fichus exotiques. Et voir comment ça peut marcher. Le marteleur. Déployé, activé pour déterrer les minerais exploitables. Ok, ça a l'air d'être pour réactiver un gisement profond peut-être. Et ça c'est pour éloigner les bestioles. Ok, on va rester là, on va garder notre point de secours. Retour à la maison. Ok, me voilà de retour à la maison. Ça m'a pris 20 bonnes minutes de rentrer, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va regarder ce fameux détecteur qui est là, deux gisements, donc il me faut un peu d'acier, un peu de fuite de cuivre. Les composants électroniques, je les ai. De cuivre, un peu d'acier, je vais pas en avoir assez là. Je crois que je me fais cuire. Il y en a peut-être là-dedans, non? Il y en a peut-être là-dedans. Ah non plus, donc ce sera en bas. Oh, ce lag de l'enfer. Ok, il y en a là. Ok, j'ai encore du cuivre qui cuit un peu. Alors. Ok. On va tout poser là. Hop, la gourde. Je l'avais utilisée pour faire boire mon animal. Ok. Qu'est-ce que je vais débloquer d'autre? Oui, le... foreuse. Électrique, ok, il me faut de l'alu. Et
Il manque quoi? Un peu de titane, un peu de vis en acier. Ça part à une vitesse aussi compliquée, hein. Ok, on a fait deux. Ah, j'ai encore du fer sur moi. Alors, charbon, on va le poser là. Et le fer. C'est que je l'avais sur moi, je l'ai posé là tous les coups, oui. Ok. Allez. C'est parti. Crocodile. Se tuer tout seul. Alors, peut-être que ça abîme un peu la palissade, mais bon, elles ont 5000, je crois, de résistance. Donc ça va, je suis pas inquiet. On va regarder. Ok, signal 37%, donc il y en a un par là. Allez. Ok. Ah, 38%, 40%, et là. Ok, il y en a un par là, et il y en a un par là. Alors, on va voir celui-là. Ok. Ils veulent pas me laisser tranquille aujourd'hui. J'espère que c'est pas le gisement d'exotique. Non, ça a l'air d'être plus proche. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, c'est là. Aluminium, pas mal. Ok, on va mettre la machine. Ah, j'ai pas pris les câbles, c'est pas grave. Ok, donc on va aller voir l'autre. Là déjà, on a de l'alu. Ça évitera d'aller chercher là-bas. Et en plus, j'ai la roue à aube juste à côté. Donc au niveau alimentation, j'ai pas loin à tirer. Si je pouvais trouver de l'or et du cuivre, ce serait très bien. Je crois que c'est vraiment ce qui me manque le plus. Alors, oh, crocodile. Ah, je vais juste te montrer que si je suis en fufu, donc du coup j'ai les bonus de dégâts, hein, mais ça cache. Mais j'arrive à les one-shot maintenant. Par contre, il faut vraiment que j'ai le bonus de furtivité. C'est x2,5 les dégâts, et là du coup, ça passe. 93... 94, 95, ok, c'est là-haut. Oh, il sort, non. Ah, non. Allez. Ok, je suis... Ah, mais je suis dans une grotte, en fait. Ah, ça doit être dans une grotte. On va regarder, mais à mon avis, il est dans la grotte. Sous moi. Ouais, c'est ça. Il est dans la grotte. Du coup, celui-là, je le connais puisque ça doit être celui de la grotte. L'une des premières grottes que j'ai trouvées
et je crois que dedans ça doit être du soufre ou du fer, je sais plus exactement. Alors où est l'entrée? Elle est là. Ouais, ok, c'est ça. On va les revérifier, mais il me semblait que c'était pas intéressant. Flèche cassée. Et là on a ouais du soufre. Donc du coup celui-là va pas m'intéresser non plus. Je vais laisser tranquille les verres. Bon bah écoutez, ce sera pas mal déjà je pense pour cet épisode. Je vais je pense continuer à chercher des signaux. 75%, ok, celui-là, c'est celui-là. Des signaux de gisement. Je vais essayer de trouver du cuivre pas loin. Ce serait bien d'avoir du cuivre pour pouvoir faire des composants électroniques un peu à l'infini. Je risque de manquer d'or aussi parce que j'ai quasiment tout consommé. Si je trouve ces deux-là, c'est jackpot. Et ben sinon, on continuera à aller chasser. Les grottes à l'ancienne, on verra un peu ce que ça donne, mais je pense qu'on a déjà très très bien avancé sur cette ère industrielle, on va appeler ça comme ça, et je pense qu'on se rapproche, je vais pas dire de la fin du jeu, mais voilà, de la fin du développement technologique, parce que le reste ça va être un peu tout ce qui est armes à feu. Il y a peut-être des constructions, je crois qu'au niveau construction, il y a le béton qu'on n'a pas débloqué, mais il n'y a pas de nouvelle construction au palier 4. Après, il y a tout ce qui est électroménager, on va dire, il y a congélateur, frigo, je crois. Ce sera un peu du luxe. Et qu'est-ce qui reste d'autre après derrière? Oh oui, le textile, ça, je vais me le débloquer niveau 35. Et je pense que dès que j'aurai le niveau 35 et que j'aurai débloqué ça, plus peut-être, je pense le fusil au niveau arme à feu, ce sera pas mal. Il n'y a rien d'autre de toute façon. S'il doit y avoir un pistolet. Qu'est-ce qu'il y a comme arme à feu? C'est palier 3. Alors là, il y a toutes les munitions. Alors, il y a fusil à pompe. Fusil d'action à verrou. Pas mal. Je pense que avec la bonne armure et un peu de munitions et un bon fusil, on partira à la chasse. On partira à la chasse en des boss, voilà, on va aller en faire, on va aller en faire deux ou trois. Là, je pense que c'est un loup, donc c'est peut-être pas hyper intéressant. On ira voir dans le biome neige et on va essayer de se trouver un accès au biome désert. Voilà. Donc, je pense qu'encore deux, trois épisodes et on aura fait le tour du jeu, à peu près. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet épisode-là, en tout cas, vous aura plu. On se laisse là et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao YouTube, des bisous. Ciao, ciao.